Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporg. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer. Voilà. Pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Parlons de la BlizzCon, qui est la convention spécifique à Blizzard Entertainment. Cette société, reconnue pour la qualité de ses titres multijoueurs, y montre chaque année ses nouveautés. À côté d'un nouveau standalone pour StarCraft 2, des nouvelles du film Warcraft, de l'extension Gobelin pour Hearthstone, il fut annoncé un projet inattendu, une nouvelle franchise de Blizzard s'intitulant Overwatch. Reprenant le côté FPS de Team Fortress et inspiré du gameplay des MOBA, Blizzard veut clairement attirer ceux qui ne jouent pas au jeu de tir à la première personne, et il compte bien enrichir le principe du FPS. Le jeu est annoncé sur PC uniquement comme le veut notre époque, vous n'aurez pas besoin d'attendre que le jeu soit terminé pour y goûter. Un accès à la bêta du jeu est prévu pour 2015. Seb, c'est bien. Parlons de Jeff Keighley, mais si, vous le connaissez forcément. Il a présenté l'ouverture de la BlizzCon, dont nous venons de vous parler. Bon, ok, je vais vous rafraîchir la mémoire. C'est ce journaliste jeu vidéo de Game Trailer qui déclencha le Doritos Gate, en se faisant choper, en train de sponsoriser ses interventions par des éditeurs. Il avait même cru qu'il pouvait se permettre de vendre des Doritos et du soda fluo lors de ses interventions, ce qui donna le nom Doritos Gate, une affaire dont tous les journalistes jeux vidéo portent encore aujourd'hui les séquelles. Eh bien, notre héros a créé une cérémonie de récompense qui se nomme The Game Awards. Elle aura lieu le 5 décembre aux US. Le principe est simple, le jury sera composé d'un mec de chez Sony, d'un mec de chez Microsoft, d'un mec de chez Nintendo et de plusieurs représentants d'éditeurs. Ils vont ensuite se mettre autour d'une table pour désigner les meilleurs jeux de l'année. En bon père de famille, chacun votera pour son propre jeu. Poussant le concept d'auto-érotisme jusqu'au bout, nous tenons là le rendez-vous manquable de cette fin d'année. Ne nous parlez pas de l'œuvre que tout le monde connaît, que c'est un livre admirable, c'est là, mais de l'homme en tant qu'être, de son lui intérieur, comme, si vous voulez, comme on dit dans la mesure, où une bonne tranche de vie vaut mieux que des anecdotes. Est-ce que vous pourriez nous parler, si vous voulez, de cet homme qui était, puisque vous étiez vous de ses intimes, que si vous avez fait sa femme, tout ça. Alors... Assassin's Creed Unity est sorti. C'est la première fois qu'un jeu permet de se promener dans le Paris de la Révolution. Alors, en soi, le jeu a le mérite d'exister, car si vous voulez profiter de Notre-Dame sans le bruit de la circulation automobile, c'est ce jeu ou rien. Donc d'un côté, c'est agaçant de voir chacun jouer le rôle d'inspecteur des travaux finis en critiquant les imperfections de ce travail titanesque. Mais, et c'est là tout le problème que s'est créé tout seul Ubisoft, c'est encore plus agaçant d'avoir dû subir la communication monstrueuse d'Ubisoft. Nous vendant le jeu comme historique avant de se rétracter à la sortie du jeu, nous promettant des foules denses pour se retrouver avec des pécores qui popent systématiquement au dernier moment, nous promettant un 30 images par seconde stable pour se retrouver avec des séquences en diaporama PowerPoint, enchaînant les partenariats publicitaires entre la mousse à raser et le discours trompeur d'une optimisation Nvidia motivée uniquement par un accord financier. Voyez-vous, il y a deux Ubisoft. L'Ubisoft Marketing, dont l'activité de travail est de nous marteler d'acheter le jeu au prix de promesses excessives et de produits non terminés. Et puis il y a l'Ubisoft Développeur, dont l'activité de travail est de réaliser dans des contraintes, un à un, les éléments de ce pari grandiose. Ce qui est triste, c'est que le comportement de l'un entache les efforts de l'autre, Ubisoft vendant des jeux vidéo comme il pourrait très bien vendre des voitures ou du Coca-Cola, s'enfermant dans une obsession de l'image, témoignant d'une obsession lucrative que Unity ne saurait contredire tant chaque menu nous invite à sortir la carte bleue. Croire qu'Ubisoft fait de la propagande politique avec cet Assassin's Creed, on l'a entendu, est terriblement naïf. C'est mal connaître Ubisoft qui n'a aucun projet de société, si ce n'est de partir au maximum de son pays natal.